Match de bas de tableau entre Niort 19e et Rodez 20e. Un point seulement sépare les deux formations. Niort reste sur deux défaites consécutives au Havre et au Paris FC. Et va être l'auteur d'une très bonne entame de match avec ce très bon 1-2 sollicité par Junior Oleitan avec en relais Mouataz Zemzemi. Troisième but de la saison pour le Béninois de 20 ans qui ajuste parfaitement Thomas Seki. Minutes plus tard, la 24e, le RAF va obtenir un penalty que transforme Bradley Danger. Le contre-pied parfait devant Mathieu Michel. Et Rodez va ensuite virer en tête à la demi-heure de jeu, légèrement dépassé. Le centre tendu, et c'est le malheureux Brian Passy qui marque contre son camp. 2 buts à 1 pour les Ruthénois à la pause. En deuxième mi-temps, à la 79e, Junior Flemings va égaliser, servi par Ibrahima Ryan Bakayoko, le neveu de l'ancien attaquant de Montpellier et de Marseille. Rodez qui a été sorti en quart de finale de Coupe de France 6 buts à 1 face à Toulouse peut désormais se concentrer uniquement sur l'objectif maintien. Niort pousse pour marquer le troisième but, mais la double intervention héroïque de Thomas Seki empêche les Chamois de prendre l'avantage. Et à la 87e minute, c'est le RAF qui va avoir le dernier mot avec ce subtil ballon piqué de Lucas Buades. Premier but pour l'ancien joueur de Nîmes, bien servi par Andy Pembele. Buades qui réalise le geste juste avant la sortie de Mathieu Michel. Il reste encore un petit peu de temps pour Niort pour égaliser avec cette frappe quasiment à bout portant au sortir de ce corner de Bilal Boutoba. La réussite escorte Thomas Seki. Nouveau coup de pied arrêté et nouveau frisson dans la surface de réparation ruthénoise. La barre transversale a été touchée, le dégagement en catastrophe. On va rester la victoire 3 buts à 2 de Rodez qui passe de la 20e à la 18e place et laisse ainsi la position de lanterne rouge au Chamois Niortais, défait pour la 3e fois consécutive. Le RAF ne compte plus que 2 points de retard sur le premier non relégable, Pau.